Le roi danse. Louis XIV est un bon musicien et un excellent danseur. Il n'hésite pas à se produire sur scène. La dernière fois fut en 1670. Son musicien personnel était Lully. La danse et la musique font partie des activités préférées. La chasse, les pièces de théâtre et des ballets. Le roi se plaît à jouer au billard avec les courtisans. Le roi fait de l'opéra joignant danse, musique et poésie, composée par le musicien personnel Lully. Louis XIV donne sa première fête pour un public très restreint. Le plaisir de l'île enchantée. Elle dure une semaine du 7 au 13 mai 1664. Le 18 juillet 1668, Louis XIV donne également une fête pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle, connue sous le nom de grand divertissement royal. Cet événement ne dure qu'une soirée. La musique et danse furent pour Louis XIV le moyen de façonner une image magnifiée de lui-même et d'asseoir son autorité. Le billard sur table. Des gravures représentant Louis XIV jouant au billard, un jeu alors réservé à la noblesse, les règles n'étaient pas les mêmes et le jeu mélangeait sens et tactique. Règle simple, l'envoi des boules dans les poches situées sur le contour du billard. Louis XIV jouait au billard sur table lorsqu'il avait mal au dos. Le théâtre. Le théâtre est le genre de spectacle le plus prisé de l'époque, partout public. Permet une grande liberté de ton à la suite de Corneille, deux auteurs de génie, Molière et Racine. Très proche du roi, s'illustre l'un dans la comédie et l'autre dans la tragédie.